one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. أنا بالطريق قطعت الحاجز من شوي. Un voyage au pays de ceux qui vivent sur la route avec Nomadland, Oscar 2021, du meilleur film. 200 mètres, c'est la distance qui sépare une famille palestinienne de part et d'autre du mur entre Israël et la Cisjordanie. Et puis des amours contrariés au Sénégal avec le père de Nafi de Mamamou Dia. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche avec notre spécialiste du 7e art, Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Laure. Et on va commencer avec ce film dont on t'entend parler depuis un an. Il est Lion d'or à Venise en septembre 2020. Depuis, il a obtenu 3 Oscars à Hollywood, décroché en avril dernier. C'était évidemment Nomadland de Chloé Zhao. Oui, on se demande d'ailleurs pour le coup si le futur public ne connaît pas déjà tout de ce film avant même de l'avoir vu. Alors peut-être pas, que c'est l'actrice et muse des frères Cohen, l'actrice américaine Frances McDormand, en personne, qui est allée voir donc la cinéaste Chloé Zhao, eh bien, avec le livre de la journaliste Jessica Bruder, pour lui demander de l'adapter. Voilà, c'est un livre enquête, est un voyage dans l'Amérique des déclassés, juste après la crise de 2008, dite des subprimes, qui a vu de nombreux hommes et femmes quitter leur maison pour vivre sur les routes à la recherche d'un peu de chaleur, mais aussi surtout d'un travail saisonnier. Alors Chloé Zhao, on le sait, a dit oui à Frances McDormand et elles sont parties ensemble dans le Dakota, dans le Nevada ou encore dans l'Arizona. Regardez. I think Fern's part of an American tradition. Oh, he's gonna come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say, I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. Thomas, le film a reçu l'Oscar du meilleur film de la meilleure réalisation, attribuée d'ailleurs pour la première fois à une femme de nationalité chinoise. Un autre Oscar pour Frances McDormand, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup et les spectateurs qui s'attendent à un film monumental risquent peut-être d'être déçus et trouver l'ensemble bien peu de choses. Alors c'est vrai que c'est un film qui joue volontairement la carte de la modestie en ne cherchant jamais à se mettre en surplomb des hommes et des femmes dont il fait le portrait. Alors outre Frances McDormand, à noter que tous les protagonistes de ce film, peu ou prou, jouent ici leur propre rôle. Voilà, c'est un film qui est un croisement entre la force documentaire et un travail de fiction qui se retrouvait d'ailleurs déjà dans les premiers films de Chloé Zhao, les chansons que mes frères m'ont apprises ou encore The Rider. Alors pour le reste, moi, pour ce film, je reste assez sceptique sur la finesse supposée d'un film qui joue à fond la carte de l'empathie, ça on l'a bien compris, mais qui refuse de scoltiner vraiment la noirceur du monde qu'il est quand même censé décrire, et c'est quand même un problème. Voilà, alors c'est beau peut-être, mais complexe sûrement pas. Voilà, alors à noter que Chloé Zhao est née en Chine, mais n'a pas bénéficié d'un certain aura après ses Oscars dans son pays natal. La faute à une déclaration faite en 2013 où elle disait, je cite, « La Chine est un lieu où il y a des mensonges partout ». Voilà, on comprend que le gouvernement ne lui est pas pardonné. Voilà, en attendant, Chloé Zhao, elle a déjà signé et terminé son nouveau film. C'est un film de super-héros Marvel, ça s'appelle Les Éternels, et c'est prévu en France pour le 3 novembre prochain.
C'est très différent donc du style de Nomadland. On reste dans le différent d'ailleurs, avec maintenant le chiffre et le film 200 mètres. C'est le premier film du Palestinien Amin Naïfès. C'est un drame qui forcément résonne étrangement avec l'actualité. Oui, c'est l'histoire d'une famille qui vit dans deux maisons séparées juste de 200 mètres par un mur. Ce mur, c'est le mur construit par Israël en 2002, qui morcelle en partie la Cisjordanie. Voilà. Et bien, on va suivre Mustapha qui doit montrer tous les jours patte blanche pour retrouver les siens et subir l'humiliation des checkpoints. Et le jour où son fils a un accident, Mustapha, dont la carte d'identité est périmée, décide de tout faire pour passer cette frontière, a priori, infranchissable. Regardez. I do have a confession for you. مرتي وولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الجدار On l'a entrevu dans la bande-annonce, le drame bascule peu à peu dans le thriller. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, il y a effectivement deux films en un qui se rejoignent quand même un peu. D'abord, le drame à vocation politique qui t'aura montré, en tout cas dans les premières minutes, comment la population arabophone vivant en Cisjordanie vit dans un monde kafkaïen et doivent subir la méfiance et les contrariétés administratives qui rythment donc un quotidien difficile. Et l'autre partie, la plus importante, c'est le thriller paranoïaque qui se met en place dans un convoi donc clandestin qui mène Mustapha en Israël. Alors chaque passager se méfie l'un de l'autre, c'est ça qui rend le thriller paranoïaque. Mais alors Amin Naïfé, dont c'est le premier long métrage, est moins à l'aise quand même avec ce genre et le didactisme d'un scénario qui est soucieux quand même de ménager tout le monde, désamorce complètement la tension du film. C'est un peu dommage, ça reste quand même très impressionnant pour un premier long métrage. On prend la direction du Sénégal à présent avec le père de Nafi, c'est signé Mamamou Dia. Ça raconte une histoire d'amour contrarié entre deux jeunes d'un petit village qui rêvent de modernité et de partir ailleurs. On regarde la bande-annonce et on en parle tout de suite après. S'il y a un film à voir cette semaine, c'est évidemment celui-là. Pureté et beauté de la mise en scène. Scénario qui désamorce toute facilité pour explorer toute la complexité, du récit. Une interprétation juste et sobre. Voilà, ce père de Nafi, premier long métrage d'un jeune cinéaste, passé d'abord par le journalisme, un cinéaste sénégalais. Le film a été remarqué à Locarno en 2019. Voilà, c'est une réussite complète. Mamadou Dia, dans un entretien donné en marge de la sortie de son film, explique ceci. C'est important. Au Sénégal, la cellule familiale fait plus que l'État. L'argent que les Sénégalais partis à l'étranger envoient à leur famille est supérieur au PIB. L'extrémisme commencera par s'attaquer à la famille. Voilà. Le père de Nafi peut donc se voir comme un film de politique fiction, car au Sénégal, la situation décrite dans le film ne semble pas encore d'actualité. Mais Mamadou Dia fait ici office d'éclaireur, c'est sa responsabilité d'artiste et d'intellectuel. Voilà, courez voir ce père de Nafi. Allez, on va terminer rapidement avec Vaurien de Peter Dourounzis qui a bénéficié du label Cannes 2020. Pierre de la Donchamp y incarne un jeune homme très trouble. Ouais, trouble au point de tuer, car ce Vaurien, c'est un serial killer, un tueur en série. Mais alors, pas de ceux que l'on voit souvent dans le cinéma hollywoodien. C'est plutôt un criminel qui serait donc propulsé dans un film intimiste français. Voilà, c'est une greffe plutôt étonnante, mais ça marche. Une contamination de l'intérieur qui donne d'ailleurs tout l'intérêt à ce film. Un premier long métrage, encore une fois, à la fois doux
et crispant. Voilà, ici, la menace pèse sur chacun des protagonistes. Alors, Pierre Deladonchamp fait vraiment flipper. Hein, c'est lui, le vaurien du titre. Sa beauté lisse s'étiole au fur et à mesure pour en révéler sa profonde noirceur et violence. Il y a aussi un plaisir, celui de retrouver eh bien, Ophélie Beau. Souvenez-vous, Ophélie Beau, c'était l'actrice découverte dans le film d'Abdelatef Kechiche, Mektoub My Love. Voilà, et son irruption, vraiment, dans le film, avec beaucoup d'énergie, lui donne un supplément d'âme et une belle énergie, je le disais. Voilà, donc un film étonnant et qui fait un peu figure d'exception dans le cinéma français, qui est en général assez sage. Là, d'un coup, un film de serial killer, c'est à noter. Merci beaucoup Thomas. On retient donc cette sélection de films pour cette semaine, sachant qu'à partir de ce mercredi, bonne nouvelle, la jauge augmente dans les cinémas. Elle passe à 65% du taux d'occupation maximal. Ça veut dire plus de places, ça veut donc dire plus de films. On va peut-être pouvoir voir tout ce dont vous nous avez parlé. Merci donc Thomas, merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte justement avec ces images de la bande-annonce de Vaurien. À très bientôt sur France 24. Que je te viole, que je te tue. C'est pas ça le pire, tu sais. C'est tout ce qu'il y a avant. T'as quelle vie, toi ? Je te connais, toi ! Chez toi, c'est chez les autres ? Y'a personne chez toi ? Je te connais ! Je crois pas, non. Moi, je vais dormir avec toi. Toi, tu veux pas dormir avec moi, tu veux coucher avec moi. Si, y'a plein de filles avec qui j'ai envie de coucher. Mais y'en a qu'une avec qui j'ai envie de dormir. C'est où tu veux aller ? C'est ce que tu veux faire ? C'est bon, ça ? Je sais quitter.